I want to say that you are living proof that when societies decide to put an end on hunger, and where there is a political commitment from the governments, we can transform that will into concrete action and concrete results. Au nom de mes chers collègues qui sont là, chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, nous voudrions vous féliciter, vous-même, le management de la FAO, pour cette initiative qui constitue la grande première dans l'histoire de notre institution, la FAO. Toutes nos félicitations parce que c'est une démarche, une vision qui viennent couronner, j'allais dire, vos efforts et surtout le rôle de leadership que vous entendez jouer dans ce combat contre la faim dans le monde. Je voudrais dire que ce prix qui a été décerné, en réalité, en ce qui nous concerne, nous qui sommes ici, c'est à l'humanité tout entière que ce prix a été décerné. C'est un appel à aller de l'avant. Nous écoutons, nous avons reçu 5/5 votre message qui vous anime, Monsieur le Directeur Général. Je salue les lauréats, j'allais dire, de tout le monde entier. Je salue aussi les lauréats du continent africain, puisqu'on sait dans quelles conditions nous travaillons. Je salue également mes chers collègues qui, dont les noms n'ont pas été donnés ici et qui certainement ont progressé, mais que dans la méthodologie qui a été arrêtée, et pour lesquels les noms ne sont pas aujourd'hui sortis. Monsieur le Directeur Général, je voudrais indiquer que la question agricole, s'agissant de la sécurité alimentaire, n'est plus négociable dans votre vue. Non seulement dans votre vision, mais encore dans notre vision. Nous avons besoin de l'UNESCO, que vous connaissez très bien, et basé sur nos expériences personnelles sur le continent africain, l'accès au foncier, l'accès à l'eau, l'accès à la mécanisation, l'accès aux intrants, la réhabilitation de nos pistes rurales, les routes, la question liée au financement, Monsieur le Directeur Général, l'organisation des marchés locaux, régionaux, les questions liées, Monsieur le Directeur Général, aux mesures sociales, tout ceci nous renvoie à ce que nous appelons aujourd'hui la transformation rurale, qui constitue la base même de la transformation économique dans notre route vers le développement durable. La sécurité alimentaire, oui. La résorption du chômage de la jeunesse, oui. Je crois que votre démarche est à saluer. C'est pourquoi je vous dis merci. Je voudrais terminer de vous dire que nous ne pourrions relever le défi du futur en dehors d'un cadre, selon nous. D'abord, un partenariat stratégique. Nos gouvernements, le secteur privé national, le secteur privé international, les institutions multilatérales comme vous, les pays et les bilatéraux. C'est sous ce signe-là que je dis que le combat peut être gagné et nous vous remercions pour cette démarche. Que Dieu bénisse la FAO, que Dieu bénisse notre planète. Je vous remercie.